Donc, l'application, on a eu la chance d'avoir Louis Ponce. Donc, on lui a parlé, on a pu voir avec lui un peu ce qu'il souhaitait au niveau de l'application. On a conclu avec son brief qui voulait sensibiliser sur la faune et la flore de la région. Donc, par rapport à son brief, on a conclu qu'il voulait une expérience qui était divertissante en privilégiant l'expérience pour les enfants avec quelque chose de ludique et en continuité sur ce qu'il propose déjà dans le zoo. En fait, il propose un jeu de piste où à la fin, l'enfant va à la boutique et récupère sa récompense. On a aussi conclu qu'il voulait une application qui n'était pas intrusive parce que de son point de vue, le piège, il a toujours refusé les applications parce que, enfin, de peur qu'elles soient trop présentes lors de la visite du zoo. Pour lui, quand on va au zoo, c'est vraiment pour être dans la nature et lâcher un peu tout ce qui est téléphone. Et c'était le piège de proposer une application. Donc, on a essayé de répondre surtout à cette demande. Maintenant, par le biais de leur association Écophone, ils voulaient aussi sensibiliser sur les espèces menacées dans le monde. Donc, on a pris aussi en compte cette demande. De là, on a tiré en fait trois mots-clés qui sont ludiques, sensibilisation et éducatif. C'est ce qui nous a permis en fait de construire l'application et de répondre à ses attentes. Pour construire cette application, on a pensé que c'était important de voir un peu ce qui se faisait au niveau de la concurrence. C'est pour ça qu'on a téléchargé plusieurs applications, notamment celle du zoo de Beauval et de Marineland. De là, on a pu construire un peu notre volonté. Donc, on s'est rendu compte que ce qui se faisait beaucoup, c'était des photos d'animaux. Et on pensait que, vu que notre but était de faire une application ludique, il fallait plutôt partir sur un design plus enfantin en utilisant des illustrations d'animaux. Donc, en flat design, c'est une technique qui est assez répandue. On a tiré plusieurs points positifs et négatifs des applications et c'est ce qui nous a permis en fait de construire notre application. Voilà. Donc, du coup, le concept, on vous l'expliquera un peu plus en découvrant l'application, mais le concept, en fait, c'est le zoo est découpé en 6 zones. Donc, on va trouver les panneaux à la zone correspondante pour partir à la découverte de toutes les zones du zoo. À chaque fin de zone, il y aura comment dire, un quiz où il faudra répondre. Je peux descendre. Voilà. Et en fait, le but du quiz, en fait, ça, c'est c'est de pouvoir débloquer des médailles et de remporter des trophées. Du coup, c'est une application où on va allier l'apprentissage sur la faune et la flore avec un jeu ludique. Voilà. Je sais pas On si peut conclure que notre parti pris, ça a été vraiment de limiter l'utilisation de l'application dans le zoo pour privilégier l'expérience dans la nature. On a axé l'utilisation pour les enfants en faisant donc tous ces animaux en vecteur et en flat design. On a gardé cet aspect ludique. On a aussi pensé au fait qu'il fallait conserver l'aspect naturel du site et ne pas rajouter d'éléments électroniques, de bornes GPS ou bornes Bluetooth. Donc, on rajoute juste des panneaux dans le zoo, mais il y en a déjà, donc ça ne changera pas grand-chose. L'application, elle est aussi évolutive, vu que les quiz, on peut très bien les changer chaque mois si on a des visiteurs fréquents pour qu'ils puissent renouveler leur expérience. On a les événements qui changent, donc qui sont remplissables chaque semaine. Et on a évidemment respecté leur continuité avec la charte graphique en gardant l'univers et les couleurs. Les feuilles un petit peu comme ils avaient déjà utilisé sur le plan, donc on s'est pas trop éloigné en fait de ce qu'ils font déjà au niveau de leur communication. Voilà. Donc maintenant, avant de parler de la communication, on vous propose de naviguer un petit peu peut-être sur l'application, on va vous envoyer le lien. Donc voilà, en fait, c'est cet avatar qui va nous guider tout au long de notre visite et de l'utilisation de l'application. Ce qui est important aussi qu'on a oublié de préciser, c'est que pour garder cet aspect ludique, on a choisi de créer au début de l'application, de proposer la création d'une équipe qui unifiera en fait peut-être les enfants de la famille ou les enfants tout court pour vraiment qu'ils se sentent plongés dans l'expérience et dans l'aventure. Maintenant, Thibaut, si tu veux expliquer un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on retrouve où? Voilà, donc là, du coup, on arrive sur l'accueil de l'application. Donc en haut, vous avez un pictogramme réglage, en fait.
qui vous permet de changer votre nom d'équipe si vous vous êtes trompé ou si vous voulez le changer, de changer la langue. Vous pouvez aussi choisir le volume des notifications. Et du coup, si vous venez plusieurs fois dans le mois, aux zoos, dans le mois, en fait, vous pouvez réinitialiser l'application, donc repartir à zéro au niveau des quiz et des récompenses qui auront changé à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, on retrouve la partie événements. Ici, on a une cloche qui nous notifie en fait qu'on a des notifications d'activer. Ici, voilà, on a les notifications sur toute la semaine. On a la possibilité là de les activer, désactiver et de confirmer notre choix. Ensuite, on a la partie zone. Donc là, je te laisse peut-être expliquer, Thibault. Donc en fait, comme on a expliqué un peu plus tôt, en fait, on a divisé le zoo en 6 zones. Du coup, le but, c'était de pouvoir explorer tout le zoo, du coup, de pouvoir trouver toutes les zones du zoo. Donc voilà, là, vous avez toutes les zones. Tu peux aller sur la zone lavande, je pense, Zone romarin, voilà. Et là, en fait, du coup, on a répertorié, donc dans la zone romarin, on va répertorier les animaux qui se trouveront dans la zone romarin. Dans une autre zone, ça sera tous les animaux qui vont se retrouver dans cette zone. Et voilà. Et du coup, il y a aussi la flore, en fait, pour accentuer le côté, comment dire, mais le côté voilà, sensibilisation de la nature. sensibilisation sur la faune et la flore. C'est ici aussi qu'on retrouve l'accès au quiz pour valider notre zone. Donc, on a la possibilité de revenir si on se trompe de réponse. En fait, on a un message qui nous présente, voilà, si on est sûr de notre réponse ou pas. On peut donc réessayer. Et à ce moment-là, quand on sélectionne la bonne réponse, on gagne la médaille de la zone. Ensuite, on a l'onglet récompense, ici qu'on retrouve tout ce qu'on a débloqué. Donc là, ça vous donne un aperçu. Quand on a débloqué une zone, elle apparaît en couleur, sinon elle est en noir et blanc. Et quand on débloque le trophée qui sera donc en couleur, on a la possibilité d'avoir le code qu'on doit présenter à la boutique pour avoir la récompense. Ensuite, peut-être si tu peux expliquer T'entends le plus. zoo. Voilà. Et là, du coup, sur le zoo, on va retrouver tous les animaux qu'on a croisés dans le parc tout au long de notre journée. Et en fait, là, du coup, les fiches explicatives seront un peu plus détaillées. Donc, ça permet aux enfants ou aux parents, après une journée au zoo, de pouvoir en apprendre davantage sur les animaux qu'ils ont croisés, mais aussi sur la flore. Voilà. Et du coup, on l'a pas expliqué, mais en fait, l'application est aussi disponible pour les malvoyants parce qu'on a mis un picto audio qui nous guide tout au long de l'application. Donc, au niveau de la présentation de l'application, là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, si vous avez des questions, on peut y revenir après. Maintenant, on va peut-être parler de comment on peut communiquer. Alors, on va retourner sur le PDF. Au niveau de la communication, on a fait un site internet. Donc, Thibaut, si tu veux envoyer le lien, peut-être. C'est bon. Donc c'est ce site internet où il nous permettra de communiquer sur la sortie de l'application et expliquer le concept et comment elle fonctionne. On a aussi fait un support de communication qu'on peut diffuser sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'entrée du zoo. On retrouve également la page de l'Apple Store pour donner une idée de comment ça pourrait rendre. Donc je vous laisse aller découvrir le site et en même temps je le partage. Elle va le partager. Oui. Clique sur l'icône. Ouais. Hop. Donc voilà. Ici, télécharger, donc c'est le bouton pour télécharger. Si vous appuyez sur découvrir, on a encore le lien vers l'application. Maintenant, tout en bas, on a le dernier support de com qui est un petit peu le plus important, c'est la vidéo. On pourra la diffuser sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être une pub à diffuser, on va dire, aller à la télé, mais on ne sait jamais.
Elle est un peu en fait utilisable sur tous les supports et elle décrit l'utilisation de l'application, à quoi elle sert. Donc je vous laisse visionner la vidéo de votre côté. Ok, ouais, je vais descendre en bas. Et sur le site internet, si vous cliquez sur le premier téléphone en mock-up, vous accédez au lien de l'application aussi. Si vous voulez retourner dessus. Sur le téléphone en haut du Sur le site. téléphone où il y a Zoo de la Barbia, D'accord. si Ok. tu cliques dessus, normalement tu arrives sur le Oui. prototype de l'application. Tout à fait. Ok. Voilà. Nickel. Après, au niveau du design du coup de l'application, on s'est pas basé sur leur site internet, mais on s'est basé sur leur. Sur tous les supports qu'on avait récupérés au zoo, donc tout ce qui était plan, dépliant, tout ça. Parce que tous les animaux étaient faits en flat design dessus, donc on est resté sur la même cohérence graphique.